on est dans le cours de dessin. On avait à faire une axonométrie avec, en dessin 2, dans le fond, dans la deuxième session. Donc, on avait à faire une axonométrie et des plans. C'était, dans le fond, un dessin à main levée puis aux instruments, donc aux équerres, règles et tout ça. Donc, on avait de l'ombre, de la lumière à faire, perspective de bâtiment, voir qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on voit pas. Première session, j'étais vraiment plus nerveuse que la deuxième. Là, je sais à quoi m'attendre, je sais un petit peu c'est quoi le fonctionnement, mais c'est sûr que quand je suis rentrée dans le programme, je savais pas comment ça allait se passer, puis je savais pas vraiment qu'est-ce qu'on allait faire, qu'est-ce qu'on allait apprendre, fait que c'est sûr que j'étais beaucoup plus stressée. Entre étudiants aussi, on soutient beaucoup, puis on s'aide. Si quelqu'un comprend pas quelque chose, bien, c'est sûr qu'on l'aide, puis on essaie de tout s'aider entre nous. Là. Puis les profs aussi sont tout le temps là pour nous, puis ils nous aident vraiment beaucoup. Tu sais, j'aimais ça, voir l'architecture des bâtiments, puis voir comment c'était fait, puis tout. Fait que c'est sûr que j'étais attirée par ça, puis aussi tout ce qui est dessin. T'es pas obligé d'être bon en dessin pour pouvoir réussir en architecture. Là.